Alors monsieur le con est non seulement un homme heureux, mais en plus, on le désigne comme un citoyen exemplaire. Il incarne le rêve de tout dirigeant soucieux de pouvoir sans partage, de légitimité facile, de pérennité assurée. Enfin, certaines mauvaises langues diraient qu'il personnifie l'idéal docile et minable de tout dictateur. Enfin, laissons donc parler dans le vide ces médisants. Monsieur Lecon est un administré responsable, à l'esprit civique très développé. Il boit en été quand son écran de télévision l'initie à le faire lors des fortes chaleurs, se calfeutre prudemment dès que Météo France lance des alertes orage, neige, tempête ou grêle. Il ne mange ni trop gras ni trop sucré, selon les recommandations vues, lues ou entendues à travers les médias. Il porte systématiquement un masque au moindre éternuement de son entourage, comme le conseillent les journalistes de BFM TV. Et il se refuse, catégoriquement, à pratiquer le tourisme sexuel pour l'excellente raison que la loi de son pays le lui interdit formellement. Enfin, monsieur Lecon tient à son image publique. Il défend le droit à l'avortement, car ce siècle moderne permet cette liberté pour le bien de tous. Il se scandalise régulièrement à propos de certains faits divers au gré des aléas des informations télévisées, comme il est de bon ton de le faire dans cette société évoluée, où il a la satisfaction de vivre. Monsieur Lecon met un point d'honneur à toujours bien se placer dans le camp majoritaire des gens qui pensent comme le système le juge bon. Enfin, on le voit, monsieur Lecon a de la morale, hein, un sens élevé de la dignité, beaucoup de vertus qu'il sait judicieusement adapter aux circonstances. Enfin, jamais il ne songerait à contredire le courant dominant, à remettre en cause l'ordre en vigueur, à se dresser contre les décisions supérieures du peuple, lequel est fatalement dans la vérité, puisque nous sommes en démocratie. Évidemment, si demain on légalise la pédophilie ou l'on criminalise la famille traditionnelle, on pourra compter sur le soutien indéfectible de monsieur Lecon, qui sera aux premières loges pour faire appliquer, alors soit par l'exemple, soit par le prosélytisme, ces nouvelles valeurs civilisationnelles. Enfin, pour ça, on peut faire confiance en ses capacités innées à adopter les idées et mœurs en vogue. Enfin, surtout si ces dernières sont banalisées par l'usage, votées en haut lieu, entérinées par l'acceptation générale, voire par la libératrice désacralisation des actes hier interdits. Enfin, monsieur Lecon n'a aucun problème avec sa conscience. Il respecte scrupuleusement les textes légaux. À ses yeux, le péché, c'est de violer les règles sociales. Enfin, bref, monsieur Lecon est un excellent donneur de leçons, incapable de s'en compromettre en sortant illégalement des cadres établis. Il est décidément trop honnête pour cela.